remarquable. Cela va être bien difficile de succéder à la ravissante Diana. C'est ce que nous propose pourtant la lituanienne Kristina Kliukevičiūtė. Pardonnez-moi la prononciation si elle n'est pas tout à fait exacte. Il est vrai que l'école des ex-pays de l'Est est particulièrement bien représentée, bien sûr, en GRS. Eh oui, beaucoup de concurrentes pour nous. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Oui, car en plus, je pense que vous faites allusion, Valérie, à l'éclatement de l'ex-URSS qui a valu autant de différentes républiques, chacune représentée par deux gymnastes. Gymnastes et les juges. Oui, en plus des juges. Cela va très très vite, ça démarre à 100 à l'heure pour Kristina. Kristina Kliukevičiūtė, un petit peu en difficulté par moment, surtout en comparaison de la concurrente qui la précédait. Kristina, qu'on a senti en délicatesse avec sa corde dans la partie intermédiaire de l'exercice. Oui, beaucoup de petites fautes de rattraper. Et bon. C'est pas comparable au travail qu'on venait de voir avec Diana. Même la position d'équilibre est un petit peu plus précaire. On a vu la jambe qui se levait moins un haut. Petit peu moins haute, oui absolument.